entreprise le vendredi 2 octobre 2020 à Moanda, dans la province du Haut-Togo, un addendum à la convention minière qui la lie à l'État gabonais. Ces nouvelles clauses devront bénéficier aux populations locales. Je voudrais d'abord remercier chaleureusement l'ensemble des membres du gouvernement et particulièrement Madame le Premier ministre et Monsieur le coordinateur général des affaires présidentielles qui, malgré leurs emplois du temps chargés, ont tenu à honorer de leur présence cette cérémonie de remise officielle des travaux de la voirie de l'artère principale de Moanda, de la mise en service du SAMU social et de la cabine de téléconsultation de l'hôpital Comilog. L'inauguration ce jour de l'axe principal de la route dans la ville de Moanda est la matérialisation par excellence de la volonté du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, conformément aux orientations contenues dans le cadre du plan stratégique Gabon émergent, pour lequel j'associe ma voix à celle des populations bénéficiaires pour solliciter de ce que, Excellence, Monsieur le coordinateur général, vous soyez, vous transmettez toute notre reconnaissance et gratitude au président de la République. Les élus et représentants de la population se disent satisfaits. La mise en circulation de façon effective de cette route ne fait que laisser paraître la joie immense qui anime les élus que nous sommes et entendez les populations de Moanda. À Madame le Président, directeur général du groupe Eramet, tout en vous souhaitant la chaleureuse bienvenue dans cette cité que vous connaissez déjà bien, le conseil municipal et les populations de Moanda, par ma modeste voix, vous adressent toute leur reconnaissance. Reconnaissance que vous voulez bien retransmettre à tout le groupe Eramet en général et à la Comilog en particulier. Ces investissements sont de l'ordre respectif de 4,4 milliards de francs CFA pour le tronçon de la route en centre-ville. L'antenne régionale du SAMU social va coûter 250 millions de francs CFA pour les frais inhérents au fonctionnement annuel de la structure, pour 150 millions de francs CFA sur la télécabine médicale destinée à l'hôpital Marcel Abeke. Des réalisations d'envergure au bénéfice des habitants de la ville du Manganèse.